Bonjour à tous et bienvenue pour ma deuxième vidéo. Si vous avez suivi ma première, je vous ai promis que j'allais vous montrer les nœuds. Mais voilà, on est là. Je vous ai dit que j'utilise deux nœuds et qui sont les nœuds les plus utilisés dans le circuit pro. Et il s'agit bien du nœud Parnell et du nœud Wilson Pro que je fais selon les demandes du cadre. Comme je vous ai expliqué, si entre un montant et un travers, j'ai une place assez limitée. Je vais opter pour le nœud Wilson Pro, qui est un nœud plus ferme. Et si de l'autre côté, c'est quelque chose qui arrive plutôt sur la partie haute du cadre, où deux cordes, où les deux cordes se croisent et me laissent une distance, et me laissent un écart assez limité pour faire le nœud. Donc là, souvent, je fais le Wilson Pro. Sinon, c'est le nœud Parnell que je fais d'habitude et il se fait de la manière suivante. Donc on a la corde qui est sortie du côté droit. Donc je vais rentrer sous mon montant du côté gauche et je rentre par ici et je me fais une petite boucle. Voilà, ces petites boucles, je laisse là, je ne vais pas la serrer. Ensuite, je vais suivre le trajet de la corde. Je vais rentrer à nouveau et je vais sortir dans la petite boucle et entre et dans la grande aussi. Et là, je vais avoir cette partie ici qui serre. Donc, je vais serrer tout le temps dans le sens de mon montant. Ensuite, je tire. Là, pour la deuxième fois, c'est pas si important de tirer assez fort, mais c'est toujours important de maintenir le nœud dans la direction du montant. Donc, je tiens. Je mets de la pression et je relâche ma pince et on a fini le nœud Parnell. De l'autre côté, je vais avoir le nœud Wilson Pro. Je vais voir si j'arrive à ajuster un tout petit peu. Ok, je vais bloquer ma table là. Ok, le nœud Wilson Pro. Donc, si je suis sorti du côté gauche, je vais rentrer pareil du côté droit, dessous, et je sors entre les deux cordes et je fais une boucle. Et ici, cette corde-là, voilà, j'ai la boucle ici. Si je vais jusqu'à la fin, ça va me faire directement, ça va me faire pareil comme pour le nœud Parnell. Mais ici, je vais passer derrière cette boucle, j'attrape mon nœud, j'attrape ma corde, pardon. Et là, je commence à serrer avec le côté droit de la corde. Je serre. Hop. Et voilà. Si vous voulez voir ce que ça donne au niveau des nœuds, je vais essayer de vous montrer ça tout de suite. Voyons, est-ce que je peux? Voilà, hop. Ça, malheureusement, on est sur un boyau synthétique, donc je ne vais pas trop arriver à voir. Et voilà, ça, c'est le nœud Parnell. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Et j'attends vos commentaires et vos opinions. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.